Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour apprendre à crocheter cette petite moufle pour décorer le sapin. Donc, vous allez voir, c'est très très facile. Il faudra crocheter deux côtés. Il y aura besoin d'un peu de rembourrage. Donc, j'ai crocheté celle-ci. Et là, pour vous montrer en vidéo, je voulais faire avec voilà des petites décorations pour faire une autre alternative. Donc, vous aurez besoin de très peu de matériel. Deux couleurs, alors vous pouvez prendre d'autres couleurs, hein, blanc, rouge, d'un peu de rembourrage, ciseaux, aiguille, et moi je crochète en 4. Après, tout dépend de la taille de votre laine. Vous pouvez crocheter en 3 ou 3,5. Voilà. Moi, je vais crocheter en 4 avec une épaisseur de laine classique. Alors, c'est parti, je vous laisse prendre votre matériel et on commence. Pour démarrer, donc, nous allons monter 10 mailles chaînettes. Donc, on fait le nœud coulant. Hop, et nous allons monter 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et après, nous allons faire 9 mailles serrées, parce qu'on ne crochète pas la première. Donc, on fait une maille serrée dans chaque. Alors, j'utilise pas de marqueur hein, pour ce petit tuto. N'a pas besoin. Si vraiment vous débutez, vous pouvez mettre un marqueur sur la première maille à chaque fois du rang. Ça vous évitera d'en oublier. Hop. 8 et 9. Ensuite, nous allons faire une maille en l'air. Ou une maille levée. Hop. Donc, une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je refais, donc je n'oublie pas la première, je refais 9 mailles serrées. Donc je vous laisse arriver au bout du deuxième rang, donc vous aurez 9 mailles serrées. J'ai fini mon deuxième rang, 9 mailles serrées, je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire 8 mailles serrées. Et à la fin, sur la dernière, je ferai une augmentation. Hop. Et la dernière, donc pour mon augmentation. Donc je fais deux mailles dans la même. Une et deux. Donc là, vous obtenez 10 mailles à la fin du rang 3. Je tourne une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc là, je fais tout de suite une augmentation. Donc dans la première, une augmentation. Donc deux mailles dedans. Et je continue tout le tour en maille serrée. D'accord? Tout le rang en maille serrée. Donc du coup, en tout, je fais 9 mailles serrées pour arriver jusqu'au bout. Et donc, j'aurai à la fin du rang 4, 11 mailles serrées. J'ai fini mon rang 4, j'ai 11 mailles serrées. Là, vous allez voir, on va s'arrêter parce qu'en fait, là, nous étions en train de crocheter ici. Donc là, on va s'arrêter, on va commencer à diminuer. Donc, on fait une maille en l'air. Hop. Et donc, pour le rang 5, on fait que 8 mailles serrées.
D'accord? Donc là, vous n'en faites que 8. Vous en laissez 3 de côté, ce sera pour faire notre pouce. N'hésitez pas à recompter. 2, 4, 6, 8, c'est bon. Donc là, quand j'en ai fait 8, je fais une maille en l'air. Et je vais vous laisser faire 8 mailles serrées sur 3 rangs. Donc sur le rang 6, 7 et 8, je vous laisse faire 8 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 8e rang pour la suite. J'ai fini mon rang numéro 8, donc j'ai 8 mailles serrées. Je fais une maille en l'air et là, ça y est, je vais commencer à faire les diminutions. Donc, une maille en l'air, je tourne mon travail. Je fais une maille serrée, une diminution. Donc, une diminution, je croche que le brin avant des deux mailles en même temps. Alors, soit je passe directement mon fil dans les trois. Ou après, je vous montre une autre technique, pardon, pour le rang suivant. Je finis en maille serrée. Donc 5 mailles serrées. Après, j'ai aussi une vidéo pour apprendre les diminutions et les augmentations sur ma chaîne. Une maille en l'air. Une maille serrée. Une diminution. J'attrape que le brin avant. Je passe mon fil dans les deux premières. Et après, je passe mon fil dans les deux dernières. Ok? Donc, vous avez deux techniques. Vous faites les diminutions comme vous préférez. Donc là, je finis avec 4 mailles serrées. Et j'aurai 6 mailles à la fin. Durant 10. Oh, ben j'arrive pas à trouver ma petite maille. Et ma dernière. Une maille en l'air. Je tourne. Pour le rang 11, pareil, on fait une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et là, je fais 3 mailles serrées. Et donc, à la fin de mon rang 11, j'aurai donc 5 mailles serrées. Et pour le dernier rang, le rang 12, une maille en l'air, je tourne. Et pareil, une maille serrée. Une diminution. Et je finis avec 2 mailles serrées, ce qui me donnera un total de 4 mailles serrées à la fin du rang. J'ai pas pris encore la meilleure laine pour faire les tutos, c'est pratique. Hop, voilà. Alors moi, je crochète toujours en acrylique pour les décorations. Et il est vrai que j'ai beaucoup de fond de pelote. Donc en général, vous me verrez peut-être galérer. Parce que voilà, je fais vraiment pas attention. Je prends vraiment les fonds de pelote. Donc voilà en fait ce que ça nous donne. D'accord? Donc là, je coupe mon fil. J'ai juste un petit bout, voilà, pour pouvoir après le cacher. Donc voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc vous voyez, ça ressemble pas du tout pour l'instant. On continue. Donc là, on va crocheter le pouce. Alors, pour le pouce, donc, on va crocheter sur les 3 mailles serrées ici.
Une, deux, trois. D'accord? Donc, vous avez votre trou ici, là. Là, à ce niveau-là. On ne va pas crocheter ici, parce que j'ai essayé. Et en fait, voilà, ça nous obtient après un énorme trou. Donc, vous avez ici, là, sur le rang d'après. Pareil, vous avez le premier trou, là. Hop, de la maille levée. Donc, pareil, on ne va pas crocheter là, sinon ça va faire un trou. Moi, je vais attraper le fil ici de la maille levée. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je ne croche pas à côté des trois mailles. Je ne croche pas non plus juste au-dessus. Je croche juste dans le fil. D'accord? Je passe mon fil. Je l'attache. Donc, pour attacher mon fil, je fais comme ça. Après, je fais une maille en l'air. Et là, mon fil est bien accroché. D'accord? Et donc, je vais commencer à faire trois mailles serrées dans mon pouce, ici. OK? Donc, je garde mon fil pour le cacher en même temps. Ça me fera ça de moins à faire. Donc, une. Deux. Et trois. Voilà ce que ça donne, vous voyez? Là, c'est invisible parce qu'après, on va venir faire un tour et ça va être invisible. Donc là, j'ai fait, donc pour le rang 1, 3 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail, je vais faire une maille serrée, une diminution. Donc, une maille serrée, j'attrape les deux brins avant et je fais ma diminution. Alors, quand c'est des tout petits trucs comme ça, il est vrai que j'aime bien crocheter comme ça. Ça m'évite de tirer sur le fil. Hop, donc là, on obtient deux mailles. Je fais une maille en l'air. Je vais faire deux mailles serrées. Donc, j'ai mes deux mailles là. Une, deux. Une. Deux. Une maille en l'air. Et je finis par une seule diminution seulement. Brin avant. Brin avant. Je passe mon fil. Et voilà. Voilà notre pouce. Donc là, vous pouvez déjà couper le fil qu'on a caché. Ça fera ça de moins. Donc là, on coupe. OK. Donc voilà ce que vous obtenez. Ensuite, on va faire sur chaque partie. Alors là, attention, il faut être très attentif. Donc sur chaque partie, on va faire une couture de bordure en rouge. D'accord? Parce qu'après, comme ça, on viendra mettre des mailles coulées de blanc sur le côté. OK? Donc là, j'ai démarré par crocheter du bas et j'ai fait mon tour. Et surtout, ne pas se tromper parce que c'est ce que j'ai fait la première fois. Je me suis dit que c'était plus pratique, voilà, pour moi de crocheter dans ce sens-là. Donc j'ai crocheté les deux dans ce sens-là, mais forcément quand vous voulez mettre l'une contre l'autre, il y a la couture qui est dans le mauvais sens. Donc moi là, j'ai commencé à crocheter du bas pour aller jusqu'au pouce. Donc là en fait, il faut que je fasse l'inverse. Il faut que je crochette du pouce pour aller jusqu'en bas, pour que quand je puisse mettre mes deux parties, eh ben du coup, je vois bien la couture de chaque côté. D'accord? Donc vous faites vos deux parties déjà. Et vous crochetez donc une maille serrée. Je vais vous montrer. Donc, alors pareil, je ne vais pas accrocher mon fil dans le trou là de ma chaînette. D'accord? Je vais crocheter juste au-dessus. Ah, mais j'y arrive pas, dites donc, aujourd'hui. J'ai les doigts qui glissent. Juste au-dessus. D'accord? Donc là, j'ai mon trou de maille chaînette.
Je crochète juste au-dessus. D'accord? Donc, j'accroche mon fil. Je prends mon fil. Je le passe. Je fais une maille en l'air. Ok? Et je fais tout de suite ma maille serrée à l'intérieur. D'accord? Hop. Voilà. Et là, je vais faire des mailles serrées tout le tour. Ok? Donc, vous voyez bien hein, les rangs. Hein, on les distingue bien. Donc, en fait, vous faites une maille serrée dans chaque début de rang. Et normalement, vous devez avoir la même identique de chaque côté. Si jamais vous en avez oublié une, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Parce qu'il y aura forcément un côté plus joli que l'autre. Le côté où vous aurez fait la couture blanche tout autour, ce sera plus joli forcément que l'autre côté. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours moyen après de, voilà, de s'arranger. Donc, je vous laisse faire tout autour des mailles serrées sur vos deux parties. N'oubliez pas, un couche crochette du bas vers le pouce et du pouce vers le bas. Et je vous retrouve à la fin. Quand j'arrive au niveau du pouce, donc là, j'ai caché mon fil du début. Donc, je crochète dans la maille. Ensuite, je crochète dans la maille serrée dans la dernière que j'ai fait. Ok. Hop, donc je ne vais pas crocheter, je vais crocheter juste en dessous. Voilà. Ok. Et là, vous allez pouvoir, pareil, cacher votre fil. D'accord? Vous prenez votre fil. Vous le mettez au bord et comme ça, vous pouvez le cacher en même temps, d'accord? Ça nous évite en fait d'avoir 36 000 fils à cacher. Moi, en général, j'essaye toujours de les cacher en même temps que la couture. Voilà, vous crochetez 2-3 mailles. Après, si ça vous gêne, vous le coupez et puis c'est tout. Voilà, donc vous cachez les fils comme ça et on se retrouve une fois que vous avez fini vos deux parties. J'ai oublié, je voulais vous montrer pour le pouce. Donc là, je suis arrivée ici. Là, j'ai la maille, là. Si je pique dedans, ça va faire un trou. Donc, quand j'arrive ici, je saute directement là. D'accord? Donc là, vous avez la maille. Oui, ça fait un trou. Je saute directement ici. Et vous allez voir, comme ça, ça va éviter que ça fasse un trou dans votre petite moufle. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas de trou apparent. Voilà. Donc, je voulais absolument vous montrer la petite astuce pour pas que vous ayez de trou... sur vos petites moufles et pour pas qu'on voit le rembourrage. Voilà. Donc j'ai fini de faire tout mon tour. Et donc là, comme vous pouvez le constater, si j'assemble les deux, voilà, on aura bien les coutures de chaque côté. Bon, moi j'ai laissé voilà, les fils dedans, mais vous pouvez les couper. Hop. Voilà. Souvent, je m'en sers pour attacher après les fils. Donc là, je vais vous montrer comment faire vos petites décos. Bon, après, c'est pas bien compliqué. Hein. Chacun fait un petit peu voilà, comme il veut. Donc, j'ai découpé un assez long bout de fil. Hop, je vais démarrer. Je vais démarrer par ici. J'essaye d'avoir une continuité. Là, j'ai démarré par ici. Et j'ai tourné comme ça pour perdre le moins de fil possible. Tout est à l'économie. Alors, du coup, c'est parti. Donc, je pique. Je laisse un long fil dépasser. Hop. Et donc là, alors moi, je fais juste voilà, des croix. Voilà, je ne fais pas de choses bien compliquées. Je fais juste des petites croix. Parfois droite, parfois pas droite, voilà. C'est juste histoire d'apporter un petit peu de, voilà, un petit peu de blanc. Il n'y a pas d'endroit, voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais endroit, hein. Vraiment, vous faites ça. Après, vous voyez, vous pouvez les cacher comme ça, le fil, l'attacher. Vous faites ça vraiment au feeling. Alors, évitez de trop serrer quand vous passez dans les mailles.
Moi, en général, pour tout ce qui est couture, dessin, je mets tout simplement des trous d'émail. Hein. Voilà, parce que c'est une aiguille, voilà, une aiguille Allen, c'est une grosse aiguille que j'ai. Donc, évitez de trop tirer, pardon, pour agrandir le trou, tout simplement. Donc, je vous laisse faire vos petites décos si vous avez décidé d'en faire. On se retrouve à la fin pour faire la couture des deux moufles. Donc là, je vais cacher celui-ci, je le cacherai après, mais je vais cacher mon fil où j'ai arrêté ma moufle. Donc je voulais vous montrer, voilà, pour ceux qui ne savent vraiment pas. Donc, vous passez votre aiguille dans l'émail, faites attention qu'on ne les voie pas de l'autre côté. Et tout simplement, voilà, vous passez votre laine. Alors attention à ne pas trop tirer pour ne pas déformer votre dernière maille qui se trouve ici. D'accord? Et vous passez et après vous pouvez couper. Voilà, comme ça vous êtes sûr que votre fil est bien caché. Donc là, on assemble nos deux moufles. Moi, je démarre par là, mais il n'y a pas de préférence. Donc, on va crocheter dans les mailles que nous venons de faire. D'accord? Donc, hop. Et hop. Ok. Je prends mon fil. Je le passe, ok, dans les deux, et voilà. Je fais pas de maille, je fais pas de maille en l'air, pardon. Là, vous pouvez mettre votre fil blanc ici, il sera tenu par la couture. Donc là, en fait, je vais faire des mailles coulées. Donc c'est pour ça que je laisse ça après. Hop, donc je passe dans la première, je passe dans la deuxième, je prends mon fil, et donc une maille coulée, je passe tout de suite dedans. D'accord? Hop, je passe tout de suite dedans. Ok, donc vous faites ça tout le tour. Donc c'est pour ça qu'on a crocheté de chaque côté. Après, comme je vous disais, si jamais vous avez loupé une maille, que ça tombe pas pareil, il y a toujours moyen de s'arranger. On fait deux mailles coulées dans la même, ça peut arriver, hein. Même moi, des fois, ça m'arrive, je me dis, bon, bah, il m'en manque une. Je fais deux mailles coulées dans la même, ne vous inquiétez pas, le final ne se verra pas. Donc voilà, donc je fais ça tout le tour, et on se retrouve à la fin ici. Ne coupez surtout pas le fil. On va commencer à crocheter la petite manchette. Et là, je vous dis tout de suite, donc là il y a le fil. Donc ça ne se verra pas parce que c'est là où je vais mettre. On va commencer après à crocheter, donc ça va aller. Donc n'hésitez pas à tirer votre fil pour être bien sûr qu'il ne s'en aille pas. Voilà. Vous voyez, si vous le tirez bien, on ne le voit plus. Voilà, je vous laisse crocheter jusqu'au bout et on se retrouve à la fin pour commencer à faire la manchette. Donc j'ai fini. Voilà ce que ça donne. Donc là, effectivement, on n'a pas pris les mailles chaînettes. D'accord? Ok. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons crocheter tout le tour en mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette de départ. Ok? Donc, vous faites ça tout le tour. Alors n'oubliez pas, je vais vous montrer quand on va tourner. Il ne faudra pas oublier d'en rajouter peut-être une ou deux au bout. Donc là, j'arrive au bout. Ok. Donc là, je vais tourner pour faire l'autre côté. Donc, je peux en faire une ici. Voilà.
et du coup une aussi à côté, d'accord? Et là je reprends de l'autre côté. Voilà, donc je laisse faire tout le tour. Donc là, j'en ai rajouté deux. Et donc ici, c'est pareil. Là, j'en ai rajouté une ici. Vous en rajoutez une au bout, hein. Là, il faudra en faire une par ici. Je vais vous montrer comment en faire. Ok, je vous laisse faire tout le tour. On se retrouve à la fin. Donc là, j'arrive à mon nœud coulant du départ. Donc, je vais venir crocher dedans. Et donc là, ma première est ici. Donc je vais en faire une là. Et après, je vais faire une. Je vais même pas faire une maille coulée, je vais travailler en rond. Alors, pour la crocheter. Donc là, c'est ma dernière. Je vais la faire passer ici. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça mon tour est fini. Là, je rembarque directement ici. Donc, hop, moi je vais quand même faire une maille coulée, ça va être plus pratique pour vous. Donc une maille coulée, parce que sinon après vous allez avoir un trou peut-être. Ça va vous perturber. Donc je vous fais faire une maille coulée, d'accord? Donc on fait une maille coulée. Et là, ça va être notre point de départ. On va repiquer dedans. D'accord? Je vais faire une, deux mailles en l'air. Et dedans, je vais faire une bride. Dans la même. D'accord? Hop. Et dans la suivante, je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une maille serrée. Donc en fait, je vais faire ça tout le tour. Une maille serrée. Une bride, d'accord? Je vais couper mon fil, sinon ça va se voir avec le blanc. Donc pourquoi une maille serrée, une bride? Voilà, c'est pour faire les jolis, les jolis, bon, bref, les motifs sur la manchette. Voilà, c'est comme si on faisait un peu des côtes. Donc je vais faire une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, tout le tour. Je vous retrouve à la fin. Et je vous montrerai, on fera pareil pour le tour d'après. D'accord? Donc, une maille serrée, une bride, sur tout le tour. Donc, normalement, si notre compte est bon, on a démarré par une bride, on devrait finir par une maille serrée. Je vous retrouve à la fin pour faire le rang d'après. J'ai fini mon tour. Donc, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, tout le tour. Si jamais il vous reste... Vous finissez par votre maille serrée et vous reste une maille, c'est pas grave, vous la sautez, vous retournez dans votre première maille et vous faites votre maille coulée. D'accord? Ça ne se verra pas. Ok? Donc là, j'ai commencé par une bride. Donc en fait, il faut que je garde la même chose. J'ai fait ma maille coulée dans ma bride. Donc là, je fais deux mailles en l'air. Et je fais tout de suite une bride. Et là, je refais ma maille serrée. Et là, je refais ma bride dans ma bride. D'accord? Il faut que vous soyez à l'identique sur le rang du dessous. Pour vos brides et vos mailles serrées, pour que vous obteniez le motif. Ok? Donc bride, maille serrée, bride, maille serrée.
Et on se retrouve à la fin, vous aurez fini le dernier rang. Donc j'ai presque fini. Il me reste ma bride et ma dernière maille serrée. Alors, ensuite, on va venir accrocher dans la première bride, faire une maille coulée. Et donc là, je vous propose de faire tout de suite des mailles en l'air, mailles chaînettes, pour pouvoir après accrocher au sapin. D'accord? Donc, moi, j'aime bien en faire 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, vous voyez, hein. Vous faites à votre longueur. 13, 14, 15. Bon, je vais en faire 15 pour celle-ci. Allez, ça me paraît bien. 15, vous laissez en attente parce qu'après on va fermer. D'accord? Vous prenez votre embourrage. Hop. Alors, moi, je fais le choix de ne pas en mettre de trop. Par contre, j'aime bien rembourrer le petit pouce. Hop. C'est juste histoire d'apporter un petit peu de, voilà, un petit peu de gonflant. Et pareil, je fais le choix de ne pas en mettre ici. Voilà. Donc, hop. Allez, ça ira bien pour moi. Une fois que vous avez mis le rembourrage, nous allons faire la couture tout autour. Enfin, tout autour, juste sur la manchette. Et ce sera fini. Donc, je reprends. Et donc là, je vais faire des mailles serrées, tout simplement. En crochetant les deux bords. Donc là, j'ai fini ici. Hop. Donc là, j'ai crocheté dans les deux premiers. Et une maille serrée. Et vous voyez, là, comme ça va tenir. Hop. Vous passez de maille en maille, en face en fait. Vous faites vos mailles serrées tout le tour. Alors vous verrez, il y a des mailles qui vont être un petit peu plus dures à attraper. Ça va être les mailles serrées parce qu'elles vont être plus proches en fait. Elles vont être moins aériennes. Hop. Alors après, si vous avez, là j'ai gardé mon 4 mm, mais si vous aviez souhaité par exemple faire une petite réduction, c'est-à-dire raccourcir un petit peu là comme un vrai gant, vous auriez pu prendre un 3 ou un 3,5 par exemple. Hein. Voilà, après, moi j'ai gardé le même crochet. Je suis pour la simplicité. Et la dernière. Et voilà, notre petite moufle est terminée. On coupe le fil. Et là, on va le cacher. Hop. Donc là, vous voyez, là, ça peut tenir en fait. Hein. Vu que ça a été fait directement, moi, j'aime bien faire comme ça. Au moins, on est sûr que c'est bien pris dedans. Donc là, vous avez votre dernière maille qui est ici. D'accord? Donc moi, j'aime bien piquer dans la boucle juste en dessous. Hop, je vais faire un suivi tout le long. Vous allez voir, ça ne va pas se voir du tout, ça va être invisible. Je vais ressortir ici. Et donc là, vous faites attention pour pas trop modifier la forme de votre moufle. Voilà. Et après, vous allez tout simplement repiquer.
Vous servez un petit peu de la bourre pour du rembourrage. Hop, pour pouvoir bien coincer le fil. Vous faites ressortir à un autre endroit. Là où il y a du blanc, comme ça évitera que ça se voit. Hop. Et voilà. Là, vous êtes sûr que ça tient bien. On coupe et on a fini. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour continuer de m'encourager et que je puisse faire d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt!